reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Son nom relève de, toujours de l'exode de nos parents, quittant Ngotché. Beaucoup ont pris des divers horizons. Nos ancêtres ont pris la direction du sud. Arrivés à ce lieu, ils commencent par être dépourvus de leur vivre. Parce que pendant leur exode, il y a des femmes enceintes, il y a d'autres qui sont fatiguées. Vu la richesse de la terre, ils ont préféré semer leur peu d'haricots qui restent afin que ça puisse donner encore leur procurer du vivre pour qu'ils puissent continuer. Ils ont semé au moment où les autres ont voulu que les autres continuent. Et d'autres disent, ah, mes frères, on a déjà semé. Vous voyez l'étape que l'haricot est arrivé, patienter pour que ça produise un peu. Dans la langue vernaculaire, produire, c'est ne etche, vieillir, c'est-à-dire un peu. D'où le nom Tchélié est resté jusqu'à aujourd'hui. Aïza, c'est notre label. Et partout où nous passons, qu'est-ce que nous allons montrer aux autres si ce n'est pas ce qui nous caractérise? Ce qui nous caractérise, c'est Aïza. Et nous en sommes fiers. Ça nous rappelle nos sources, nos aïeux, les histoires qu'on comptait. Et c'est une nostalgie en fait. C'est une recherche pour nous. C'est une grande joie d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble, ça donne vraiment l'esprit de cohésion, l'esprit d'unité et de compréhension. Ça permet de vivre ensemble.